violoncelle du musée est extraordinaire, s'il est unique au monde. C'est un violoncelle de Guarnerius de Venise, donc c'est la période flamboyante, 1734, et cet instrument est très peu connu au son. Ce modèle particulier de Lutry était vraiment très racé, avec un son puissant et très velouté, donc c'est une grande chance de pouvoir l'entendre et donc l'enregistrer. Il faut une certaine habitude de souplesse, en fait, de s'adapter à l'instrument. Il faut le dompter encore, hein, évidemment, il est très peu joué. C'est très impressionnant, c'est un trésor national, hein, il ne faut pas l'oublier, il appartient au musée. Et de pouvoir donc le mettre en lumière à ce point-là, c'est vraiment exceptionnel. On a choisi un piano Gebauer de 1850. Il m'a beaucoup plu justement pour ses couleurs déjà très puissantes. Il a des basses vraiment qui sont très présentes, des aigus qui peuvent chanter magnifiquement. Et donc pour ces deux sonates opus 5 et les variations sur la flûte enchantée de Beethoven, on pouvait vraiment exprimer le maximum avec cet instrument. Le fait d'être en musique de chambre sur deux instruments d'époque, on replonge dans cette sonorité qu'on peut imaginer de la création. C'est passionnant puisqu'on cherche vraiment à connecter les sonorités, les timbres entre eux. Et il y a une évidence aussi qui se fait d'ailleurs toute seule, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces problèmes d'équilibre qu'on peut avoir sur des instruments plus récents. On redécouvre les œuvres sous un jour nouveau, on a changé des tempi, on a réfléchi à des articulations différentes, les phrasés se font naturellement, et donc avec Raphaël on a eu beaucoup de bonheur à partager ces moments de musique. S'aperçoit dès les premières notes qu'il y a une homogénéité exemplaire, surtout avec l'écriture de Beethoven, avec ce genre de montage d'instrumentarium correspondant. Et donc c'est ça qui est très excitant en fait pour le musicien.